Oui. Maurice vient de partir parce qu'il va aller annoncer maintenant donc le trio de Mike Osborne, où on va retrouver donc Louis Molo à la batterie avec Harry Miller à la basse. Oui? Non, pourquoi? Écoute, je te promets que je vais me renseigner et je te le dirai tout à l'heure. Harry Miller. Louis Molo. Je dois rappeler que Mike Osborne est un saxophoniste alto, mais qu'à ses moments perdus, il joue aussi de tous les autres instruments, c'est-à-dire piano, percussion et tout instrument avant.
Thank you.
Harry Miller à la basse. Thank you.
Mike Osborne Trio, Harry Miller à la basse, Louis Moholo à la batterie et Mike Osborne au saxophone alto. Harry Miller, oui, bien sûr. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est la cohésion qu'il peut y avoir entre Harry Miller et Louis Moholo. Et je ne sais pas si on entendait très bien en direct la grosse caisse de Louis Moholo, mais c'est quelque chose d'assez fantastique. On a l'impression qu'il est capable de faire des roulements avec son seul pied droit. Et je dois dire que c'est avec une mise en place extraordinaire. C'est sûr, écoute, Didier Levallet n'a pas entendu ta question, mais comme il est contrebassiste, oui, une constatation. Et on va peut-être demander à Didier Levallet ce qu'il pense de ce bassiste. Ah, Harry Miller est quelqu'un très important dans la musique qui se fait en Angleterre, notamment autour du grand orchestre de Chris McGregor, du
trio Mac Osborne et dans d'autres circonstances encore. Et je crois qu'il a enregistré, enfin je sais qu'il a enregistré un disque en solo notamment. Et c'est quelqu'un qui apporte à travers la liberté, disons, du jazz d'aujourd'hui, une certaine solidité qui vient certainement de ses racines sud-africaines. Et ce que je disais tout à l'heure et ce qui m'a surpris, moi, c'est la cohésion qu'il peut y avoir entre ce bassiste et Maolo. C'est-à-dire que Harry Miller et Louis Maolo jouent ensemble depuis un nombre assez considérable d'années déjà maintenant, enfin, qu'ils sont arrivés en France à la même époque ensemble. Et ils ont suivi le même chemin à travers les petites et grandes formations auxquelles ils ont participé depuis leur arrivée en Europe. Il faut dire aussi, Pierre-Jean, que Mac Osborne est un peu l'invité du festival, puisque le festival s'appelle Jazz en France, pardon, et que lui est quand même anglais. Alors c'est un petit peu l'invité. Qu'en pense Didier avec toi ? Alors Pierre-Jean, écoute, voilà comment vont se dérouler les choses. Il y a à peu près 10 minutes d'entracte. Ce que tu peux faire peut-être avec Didier, à moins que tu veux qu'on le fasse ici, c'est présenter peut-être un peu Portal. C'est de la télépathie. D'accord. Bon, écoute, le mieux c'est peut-être d'écouter un extrait du disque de Portal que tu as de musique contemporaine, je crois. Avec Jean-Claude Drouet, c'est pas ça? Ah non, pas du tout.